Mais comment peux-tu être aussi borné? Il s'agit de ton fils tout de même. Il devrait passer avant ton ego. Oui, mon chéri. T'as encore l'arc et les flèches de mon père? Il y a longtemps que je ne les ai plus vus. Ils doivent être au garage, quelque part. Pourquoi ils s'en servent plus? Tu sais, depuis que vous ne venez plus ensemble, je ne vois plus beaucoup ton père. Et puis, l'arc, c'était surtout pour t'impressionner. Le repas est prêt. Tu chercheras demain. J'aime trop. C'est encore meilleur que dans mes souvenirs. Je suis contente alors. Et comment va ta mère? Mais ça va. Elle est un peu fatiguée de son boulot, mais... Mais ça va. Ton père, lui, ça va pas fort. Tu veux qu'on regarde un film ce soir? D'accord. Mais avant, j'aimerais faire une petite partie de Scrabble.
Tu réfléchis pendant 5 minutes et c'est tout ce que tu trouves à poser. Mais c'est mon jeu aussi, j'ai que des vieilles lettres. Là, c'est... Attends, je vais t'aider. Non, tu t'occupes de ton jeu, mamie, ce sera très bien comme ça. Très bien. Scrabble. Tu viens de poser 7 lettres, c'est juste impossible. Quoi? Tu ne connais pas de mots aussi longs? De toute façon, j'ai jamais mes yeux. Bonjour, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit 7 fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Plein dans le mille, papa. Tu sais, lui aussi, il a eu besoin d'entraînement. Peut-être, mais je suis pas lui. Tu irais mieux si tu n'étais pas agent. Thé ou café? Café. Ouais, maman. Ça va? Ouais, super. Mamie, super gentille, elle a pas changé. Ouais, elle cuisine toujours aussi bien. Elle te faisait sa ratatouille quand tu venais avec papa? Ouais, voilà. Ah, trop bon. Ouais, bah ouais, elle a l'air en pleine forme. Oui. Je vais au village voir des amis, je rentre vers 19h. D'accord, super. Bisous.
n'es pas allé chez Jackie? Il est encore là. Non, j'aime pas trop ces pizzas. Celles-ci sont vraiment meilleures. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Et ton après, mon pote? Super. On a été boire un verre et puis après on a été marcher sur le sentier. Tu sais, autour du village. Ça faisait longtemps. Et Louise était là? Tu jouais surtout avec elle quand tu étais petit. Je suis vraiment contente que tu sois là. C'est dommage que nous ayons été séparés tout ce temps. Tu sais, quand on se coupe des gens, le temps passe. Et tous les moments qu'on aurait pu partager avec eux sont gâchés. C'est vraiment du tout gâché. Putain, mais t'es tout le temps en train de parler de lui, c'est à cause de lui si c'est comme ça, d'accord? Et toi, t'as toujours été là à le défendre! Putain, tu me saoules! Tu peux pas écouter quand je te dis un truc! Allez, va dans ta chambre! Tu ne peux pas communiquer avec lui comme ça. Comment veux-tu qu'il entende ce que tu dis quand tu prends ce ton? Désolé de m'être énervé, mais c'est juste que je suis pas là pour recevoir des leçons sur ma relation avec lui. Je suis désolée. Tu es là pour qu'on puisse partager ces moments ensemble. Ça va? Je vais juste aller boire un verre d'eau. Papa, tu bois la bouteille? Qu'est-ce que tu fous là? Allez, va dormir! Je t'aime, mon fils. Tu veux pas qu'on aille se promener tous les deux? Oh, dégage! Ici, une mamie! J'ai l'impression que t'es plus mon fils. Papa, tu fais chier. C'est fini. J'en peux plus. Papa, pourquoi tu... Je suis fier de toi, Paul. Maman, ça va pas trop, cher papa, en ce moment. Pourquoi tu dis rien? Allez, tais-toi. Tais-toi! T'as tellement voulu. Je veux plus t'entendre. Tellement attendre. Moi, tu fais pas ce que tu veux. T'es chez moi ici. Tu me déçois. Regarde-moi dans les... Just...
J'espère que tu as passé un bon week-end. Super. Et merci d'avoir accepté de venir. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Je t'aime, Paul. Moi aussi, je t'aime. Tu es là pour qu'on puisse partager ces moments ensemble.